C'est une véritable chasse à l'homme qui est engagée après l'évasion sanglante de George et Jennifer Hyatt du tribunal de Kingston dans le Tennessee. C'était ma cinquième tentative d'évasion. Cette fois, j'étais aidé par Jennifer, ma femme, infirmière de prison. On veut faire croire que je l'ai manipulée, que je me suis servi d'elle, mais pas du tout. Quand j'ai connu George, je me suis mis des œillères. Dès que j'ai touché les allocations familiales, je suis allé acheter une arme. Ça allait sans doute se terminer par une fusillade. Je purgeais une peine de 35 ans de prison pour vol et agression. Et je risquais d'autres condamnations. Je n'allais pas sortir avant très longtemps. J'avais la belle vie en prison. J'étais à la tête d'un gang. Yo, Bray. Il paraît que tu dois du fric à Junior. C'est vrai? Dans les prisons du Tennessee, les gangs sont puissants. J'avais mon propre réseau de drogue. Va falloir régler ça, Bray. Ouais, je m'en occupe. Ok. Et j'étais dans les bonnes grâces du personnel de prison. Salut, Robert. Ça va? Je travaillais à l'infirmerie. Je les connaissais tous personnellement. On était comme une famille. Salut, Gray. Ça va, mon frère? George a beaucoup de bagots. Il connaît le système et sait comment le manipuler pour le tourner à son avantage. J'avais rendez-vous au tribunal avec mon avocat pour discuter de mon procès éventuel. Je suis donc emmené là-bas. Et pendant qu'on attend mon avocat à l'étage, un des gardiens, Randall Rednar, se met à parler à un autre des failles de la sécurité. Vas-y, évade-toi, te gêne pas. Je me tuerai pas à essayer de te rattraper. Si un complice débarquait en voiture, il suffirait que je monte dedans et on me laisserait filer. Mais j'avais déjà été en cavale, et c'est pas une vie. Et puis, j'ai rencontré Jennifer. Je terminais l'école d'infirmière. La prison m'avait offert un poste, donc je savais où j'allais. Et ça me faisait pas peur du tout. Au contraire. J'aimais bien travailler là. En tout cas, au début. Mais c'est devenu de plus en plus difficile. On a touché le fond quand les détenus ont commencé à s'exhiber devant moi. J'avais beau leur dire que si je voulais voir ça, je leur aurais demandé. Au bout d'un moment, le brigadier Smith a décidé qu'il fallait me protéger. Jennifer ? Oui ? Voici George. Comme vous avez eu des soucis avec certains détenus, George veillera sur vous. J'ai toujours été attirée par les voyous. Et George était l'un des chefs des gangsters Disciples. Je serai dans les parages en cas de besoin. Compris? C'est quelqu'un d'intelligent, de très observateur. Et selon moi, il ne faut pas croire un mot de ce qu'il dit. À partir du moment où j'ai assuré sa protection, ça s'est calmé. Je l'ai fasciné un peu, je crois. Au départ, j'étais juste son protecteur et peu à peu, on a échangé certaines choses. Il sait y faire. C'est tout ce que je peux dire. Elle se définit en fonction des autres. Elle a pris de la valeur avec George Hyatt. J'étais en plein divorce avec mon mari. Je me retrouvais seule avec mes trois enfants. J'ai impliqué mes frères dans sa protection. George, il faut vraiment qu'il soit là tout le temps. Un jour, j'ai commencé à me sentir attiré par elle.
quel camp? J'aimais son cran, son courage. Barrez-vous! Vous êtes sourd? Il en fallait pour s'adresser à des tueurs comme ça. Je trouvais ça sexy chez une fille. Quand j'ai connu George, je me suis mis des œillères. Je me suis persuadée que c'était un type bien qui était dans le pétrin. Il avait besoin qu'on prenne soin de lui. Et j'en avais envie. Très vite, je suis tombée raide dingue d'elle. Elle avait vécu des choses pénibles, mais elle était là pour moi, et j'étais là pour elle. Dès qu'on voulait être seul, quelqu'un faisait le guet pour nous. Il me donnait 100 dollars pour que je puisse aller chez la pédicure ou le coiffeur. C'est ce genre d'attention qui m'avait toujours manqué. Et il m'a emmené de plus en plus loin. Qui sait ce qu'il a pu lui dire pendant toute cette période dans cette prison du Tennessee? Quelle promesse d'amour, d'avenir pour eux deux? On ne sait pas. Pendant 6 ou 8 mois, tout s'est bien passé. Personne ne disait rien. Et quand une blanche tombe amoureuse d'un noir, qui en plus est un détenu, faut pas longtemps pour que ça tourne au drame. Et c'est ce qui s'est passé. Un jour, je lui ai apporté des crevettes. Un agent m'a vu les lui donner. Et il a fait un signalement contre moi. Je dois vous licencier. J'ai trouvé ça injuste. Unfair. Je suis virée pour avoir apporté des crevettes. À ce moment-là, j'ai cru que j'entendrais plus parler de lui, qu'il m'appellerait plus, qu'il s'était servi de moi. J'étais de retour à la case départ. J'avais plus personne. Personne qui m'aimait, qui soit là pour moi. Je n'ai pas pu. J'ai pas réussi à me dire « Bon, tant pis. » J'étais trop attachée à lui. Je lui avais fait passer un portable. Allô ? Salut, ma belle. Je pensais pas qu'il me rappellerait. Mais on se parlait sans arrêt. Il m'a demandé de l'épouser. Je vous déclare mari et femme. Jennifer Hyatt est une suiveuse. Maintenant, elle doit s'en aller. Elle a besoin de s'attacher à quelqu'un qui va la guider, lui montrer le chemin. Et ici, c'est un détenu de longue peine. Je lui ai dit que j'avais jamais été marié, que c'était la seule et unique fois que j'allais me marier. Et il fallait que ça marche entre nous. Salut. C'était un samedi. Tu vas bien? On nous a laissé une heure tous les deux. On a discuté d'évasion. Elle voulait absolument tenter le coup. Mais pour moi, il fallait réfléchir. Il y avait des enfants en jeu. Mais elle a dit, non, si tu m'aimes, on doit le faire. Tu veux être avec moi? Faut étudier la question. Je lui ai dit que j'allais réfléchir à un plan. Vu les défaillances du système de sécurité, je voyais à peu près comment faire. Il est retourné en cellule et m'a appelé. D'ici quelques mois, il devait se présenter au tribunal pour son procès. D'accord. Je le savais. C'était le moment idéal pour le faire évader. On a parlé de l'évasion un an avant. On avait un an l'un sans l'autre. Mais il fallait que j'aie le temps de chercher une voiture, de faire des économies, de trouver un pistolet. Il m'a donné toute une liste de choses à faire. J'ai envoyé mes enfants chez leur père. Je lui ai dit que c'était pour les vacances d'été. Dès que j'ai touché les allocations familiales, je suis allée acheter une arme. Je vais à la chasse. Je sais me servir d'un fusil ou d'une carabine, mais j'avais jamais eu de pistolet. C'est combien? 300 dollars. J'ai pris l'arme et des munitions. Yeah.
Deux ou trois mois plus tard, on était au téléphone. Un garde est venu le voir, il s'est interrompu. Quand il a repris le téléphone, il était étonné. Il devait préparer ses affaires pour un rendez-vous au tribunal le lendemain matin. Il était accusé de vol. Il m'a dit, c'est simple. Quand tu vois le fourgon arriver, mets-toi derrière nous. Quand je sors, tu t'approches par derrière avec le flingue, tu leur dis de lever les mains en l'air, tu prends les armes et tu les jettes dans le fourgon. Ça avait l'air facile. Le matin de mon audition au tribunal, je ne sais pas qui va m'escorter. J'espère alors que ce sera Randall Rednor. Vas-y, évade-toi, te gêne pas. Je me tuerai pas à essayer de te rattraper. Je prie pour que ce soit pas les gardes habituels. Porky Harris et Cotton Morgan. Les mecs droits, qui sont aussi d'excellents tireurs. Eux, ils me laisseront pas filer. On y va. C'est Rednor. En route. Je ne sais pas si j'aurai une autre chance comme celle-ci. Il faut que ça se fasse aujourd'hui. Je me rends au tribunal. J'attendais au bout du parking. Je me souviens de l'anxiété que j'ai ressentie. Me demandant... Et après je le vois sortir du fourgon. Je suis terrifiée. Il se tourne, me regarde, et je reste clouée dans ma voiture. Entrez. À l'étage, on nous fait entrer dans un bureau. Asseyez-vous de l'autre côté de la table. Gardez les mains en évidence. Pas de contact physique. Salut. On est au premier étage du palais de justice, et je répète, c'est le moment parfait. Non. Je suis là. Je peux pas. Non. Aujourd'hui, bébé, ok? Aujourd'hui, c'est le moment. Il insiste vraiment pour que ça se passe ce jour-là. J'avais trop peur, je ne voulais pas. Je peux pas. J'arrête pas de lui dire qu'on n'est pas prêt, pas assez préparé. J'enchaîne excuse après excuse. Je suis pas d'accord pour le faire évader ce jour-là. Alors il a demandé à avoir un procès pour pouvoir revenir au tribunal. Le procès est fixé au 9 août 2005. Je sais pas pourquoi j'ai continué avec elle. Pourquoi je lui ai fait confiance si elle n'était pas capable de tenir ses engagements. J'ai commencé à redouter sa colère. C'est la première chose que je me suis dite, qu'il allait être furieux. Il a fini par m'appeler. Pauvre conne, qu'est-ce que tu fous? Il était vraiment énervé. Je vais te dire, Jen, c'est terminé. Quoi? Tu m'entends? Fais pas ça! On arrête là. Je voulais pas qu'il me quitte. Je l'ai rassuré, j'ai dit que je faisais le nécessaire, qu'il ne s'inquiète pas, que tout irait bien. À partir de ce moment-là, elle s'est mise à tout préparer. Elle a trouvé l'argent, le véhicule pour s'enfuir. Je pensais qu'elle me racontait des cracks, qu'elle faisait tout pour pas que je la largue. Madame Betty? Jennifer? Bonjour, quel plaisir de vous voir. Elle s'est installée chez une dame âgée, Madame Betty, pour s'occuper de son mari. Oui, Sarah, je crois. Elle a abusé de certains avantages pour mettre notre plan en marche. J'aimerais transférer $5,000 du compte de Madame Betty Dice. Parfait. Merci, au revoir. Il allait falloir changer rapidement de voiture après l'évasion. Madame Betty, j'emmène le van à la révision, d'accord? On a prévu de garer le van de Madame Betty près du tribunal.
resté 2 jours avant le début de mon procès. J'étais à bout de nerfs, incapable de dormir. Impossible de savoir qui m'escorterait au tribunal. J'espérais que ce serait Rednar. Si c'était Cotton, c'était le bain de sang assuré. Le matin de mon procès, je croise les doigts pour que Rednar vienne me chercher. Quand le garde apparaît devant ma cellule... Bonjour, George. C'est Cotton. Le 9 août, on doit emmener George au tribunal du comté de Juan avec Wayne Morgan, qu'on appelait Cotton. En 6 ans de transport de prisonniers, on n'avait jamais eu de problème au point de devoir menacer ou pointer une arme sur un détenu. En route pour le palais de justice, George bavarde avec nous. C'est sans doute son procès qui le rend aussi nerveux. Il y aura des gens que tu connais ? Ouais. C'est assez normal quand on va se présenter au tribunal. On ne sait pas ce que ça va donner. Il y a trop de risques que ça se finisse mal. Si je me fais tuer, tant pis. Mais il n'est pas question de mettre d'autres gens en danger. On arrive au palais de justice vers 8h20. On y est. Je vais au tribunal. Je l'attends dans ma voiture. Je vois le fourgon approcher. On a prévu que Jen vienne vers nous dès notre entrée au parking. Je me mets derrière eux. J'ai le cerveau en pleine ébullition. J'ai de plus en plus de doutes sur cette opération. Je me garde derrière eux et... Je le vois sortir du fourgon. Je m'apprête à sortir. Allez. C'était trop risqué. Là, je lui fais signe de la tête. Je comprends pas. Il recule maintenant ? Il vaut mieux laisser tomber. Trouver une autre solution. Il décide de tout annuler. Alors qu'on est dans la salle de détention provisoire avec George, sa femme Jennifer entre avec un sac de vêtements pour lui. Je le prends pour vérifier ce qu'il y a dedans, je fouille et je trouve un briquet. Les briquets sont interdits, Jennifer. Autant remettre l'opération à un autre jour, pendant mon procès. George, comment allez-vous ? George, l'accusation propose un accord. Plaidez coupable, vous aurez 6 ans. Je vous recommande fortement d'accepter. Ce qui voulait dire, pas de retour au tribunal. On n'a jamais parlé de passer un accord. Il se braque, il veut un procès. Je vous conseille vivement d'accepter. Cotton cherche à le rassurer. George, vous avez fait le maximum. Vu les circonstances, il risquait de recevoir une peine plus lourde s'il allait en procès. Jennifer a l'air nerveuse, comme lui. Il donne l'impression de ne pas savoir ce qui vaut mieux, plaider coupable ou aller au procès. Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est toi qui décides. Si on le fait, c'est aujourd'hui. Faut que ça se fasse aujourd'hui. J'accepte l'accord, sachant qu'aujourd'hui serait donc la dernière chance de m'évader.
sors du tribunal, il me ramène au fourgon. Pour le faire monter dans le véhicule, je dois le tenir fermement. La voyant pas, je lève la tête. En montant dans le camion, il jette un œil par-dessus la portière. D'où je suis, je ne vois pas ce qui se passe. Et la voilà. Je sors. Je contourne le fourgon. Je passe derrière Cotton. Et je sais pas quoi dire. Je suis là, le pistolet en main. Hey, Cotton! Cotton se dirige vers elle. Il marche vers elle et je dis... Stop! Elle va tirer! Elle va tirer, arrêtez! Je suis paralysé. Il attrape le canon du pistolet. J'ai peur. Alors je prends le pistolet des deux mains pour mieux le tenir. Et j'appuie sur le cran de sûreté. Je recule. Et le coup part. Tout ce que George et Jennifer disent maintenant, ce sont des mensonges. J'ai aucun doute. Je sais exactement ce qu'il a dit. Tire ! Tire-lui dessus ! Il crie « tire ». C'est là que Cotton et moi, on se retourne et on voit Jennifer. Elle est déjà en position pour tirer. Elle nous vise avec son pistolet. Elle tire sur Cotton avant qu'il ait pu toucher son arme. Je ne dis que la vérité. Je sors mon arme, je vise Jennifer. J'entends des coups de feu, alors je tire moi aussi. Pas sur lui, juste pour le déstabiliser. Du coin de l'œil, je vois George s'asseoir à l'avant de la voiture et fermer la portière derrière lui. Je passe du côté du conducteur. Elle est derrière la portière. Je tire dans la vitre qui vole en éclats. Mon arme est vide. Je préviens Cotton que j'ai besoin de son arme. Et je la prends. J'entends des coups de feu. Une balle traverse le pare-brise arrière et m'érafle la joue. Si je continue à tirer, je peux blesser un innocent. Je suis prise d'euphorie. C'est l'été. Il n'y a plus de nuages. On est en route depuis 2 minutes et elle se met à m'embrasser. Mais... je peux pas me concentrer. Je peux pas me concentrer. Tu comprends ce qu'on vient de faire? Pourquoi tu flippes? Tous les flics vont nous poursuivre. Ils sont tous à notre recherche, là. Ils sont à nos trousses. Je vois pas. Pourquoi ça te stresse? Avance. Conduis. T'arrêtes pas. Pigé? Ok. Je retourne voir Cotton, qui est allongé par terre. Reste éveillé. Les secours arrivent. Ça fait mal de voir quelqu'un dont on est proche se faire tirer dessus. Je me demande ce que j'aurais pu faire pour que ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi c'est lui et pas moi? Cotton était beaucoup plus chaleureux avec elle et George que moi. Elle aurait pu me tirer dessus d'abord, au lieu de lui. On a prévu 2 véhicules. On arrive au van, je me gare. Ah !
Je sens plus ma jambe. Je crois que j'ai reçu une balle dans le dos. Il y a du sang partout. Je m'assieds à l'arrière pour essayer d'arrêter les saignements. Il prend le volant. Les menottes sont mal réglées. Je libère mes mains, mais j'ai encore mes chaînes aux pieds. Et on repart. Dès qu'on est prévenu de l'évasion, on envoie les enquêteurs. Une fois sur place, je rencontre le chef Washam. Bonjour. On dirait bien que c'est le véhicule. Il y a du sang à l'intérieur de la voiture. Elle est blessée dans le dos, à la fesse ou à la hanche. Il est clair alors qu'elle a été touchée par une balle. Allons-y. On va établir un périmètre jusqu'à l'arrivée des équipes. En route. Ils ont abandonné une voiture pour en prendre une autre. La police a des témoins en mesure d'identifier la voiture de rechange. Ils ne se cachent pas quelque part. Ils ont pris la fuite. Sont-ils partis vers le nord, le sud, l'est ou l'ouest? À ce moment-là, on n'en a aucune idée. On prend l'autoroute pour le Kentucky. Je réfléchis tout en conduisant. C'est grave. Elle a la jambe en sang. Je pensais pas que ce serait moi qui me ferais tirer dessus. Plutôt toi. J'ai très peur. Me fais pas ça, bébé. Meurs pas. George me tient en éveil. Mais je suis dans le brouillard tout ce temps-là. Arrête-toi quelque part. On va s'arrêter, t'inquiète. Il finit par se garer parce que je ne tiens plus. Il faut absolument stopper l'hémorragie. Je suis sûre de ne pas survivre. Je pensais mourir dans l'heure. C'est la panique. Elle saigne trop. Et moi, j'ai toujours la ceinture autour de la taille et les entraves aux pieds. Je peux pas sortir. Je peux rien faire. Faut que je trouve un plan. En interrogeant des témoins, on se rend compte que le véhicule qu'on poursuit va vers le nord. On est en contact avec Cincinnati, avec Dayton, avec Columbus, avec Cleveland. On alerte donc tous les bureaux de Marshall dans cette région de l'Ohio. Sur un coup de tête, je me gare devant un magasin de bricolage sur une place handicapée. Hey mec! Je repère un type, je lui dis que je suis handicapé et je lui demande d'aller m'acheter une scie à métaux. Merci. Ils vont avoir besoin de repos, de se soigner, de trouver de quoi manger. Et surtout de dormir. C'est simple. On s'échine à les suivre et eux s'échinent à nous devancer. S'ils s'arrêtent, on les tient. Je dois me nettoyer un peu pour savoir où j'ai été touché. On scie d'abord ses chaînes. Je me sens enfin libre. Il faut qu'on envisage la possibilité qu'il s'est servi d'elle pour s'échapper et qu'il peut l'abandonner pour continuer sa route seule. Je sors prendre l'air devant la porte. Ça y est, je suis libre. Incroyable. J'ai $6,000 et une bagnole.
pourrais la laisser là. Mais ça ne me vient pas à l'idée. Si je suis libre, c'est avec elle. C'est pour elle que j'ai voulu sortir de prison. Je suis heureux, tu sais. On s'allonge, on commence à se faire des câlins. Et je sais pas pourquoi, j'allume la télé. On apprend à l'instant que Jennifer Hyatt, 31 ans, a sans doute été blessée dans une fusillade avant de s'enfuir avec son mari dans un 4x4. Oh la vache, Jen. Le gardien de prison a été tué. Il est mort. J'apprends que Cotton est mort. La police demande l'assistance de la population. Cotton était l'un de ceux qui m'a aidé à traverser des périodes très difficiles. Des décès dans la famille, ou le fait que ma famille ne s'intéresse plus à moi. Il avait toujours un mot gentil, des encouragements à donner. Et il dit... Il était plus croyant que les autres. Amen. Amen. Il est mort, Jen. Comment on va faire? J'étais même pas sûre de l'avoir touché. Je savais que j'avais appuyé sur la détente. Pas que je lui avais tiré dessus. Le couple en fuite a été repéré dans ce véhicule. Ils savent qu'on a changé de voiture et quelle voiture on a. On communique avec le bureau des Marshals dans l'ouest du Kentucky. Ils trouvent un véhicule correspondant à la description de celui des Hyatt, garé sur le parking d'un motel à Erlanger, dans le Kentucky. On commence à y croire. Il y a toutes les chances, a priori, pour qu'on les arrête à cet endroit-là. Il faut qu'on s'en aille, qu'on s'éloigne le plus possible de cette bagnole. Bonjour, j'aimerais un taxi pour Columbus. Je lui ai teint et coupé les cheveux pour qu'elle soit présentable. Bien. Merci. C'est bon? T'es prête? Ouais. Allons-y. Un copain me téléphone. Salut, ça va? Il a une petite compagnie de taxi. Il me propose d'aller jusqu'à Columbus pour $200 et j'accepte, oui. C'était une grosse course pour un taxi. On m'a dit chambre 111 à l'Econo Lodge d'Erlanger. On a prévenu tout le monde. On a fait circuler les informations dans tous les services de Marshall. Les équipes du Kentucky se rendent dans cet hôtel et s'apprêtent à les capturer. George et Jennifer Hyatt ont prouvé qu'ils étaient prêts à utiliser la violence et des moyens radicaux pour arriver à leur fin. On ne sait donc pas comment ça va se passer. Allez, en avant, allez, vérifiez la salle de bain. RAS. C'est vide. Malheureusement, ce n'est qu'une trace de plus sur leur piste. Ils ont l'air d'avoir besoin de se changer les idées. Et je suis du genre bavard. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui vous attend à Columbus? On va à un congrès commercial. Quand j'apprends qu'ils sont vendeurs dans la vie, je me dis « Oh non, je vais avoir gros blabla. » Bon, on y est. Je vous dépose devant. On arrive à l'hôtel. Jennifer demande si je peux l'aider à faire le check-in. Je m'attends à ce que ce soit pour porter ses bagages. Mais non, c'est pour avoir une chambre. Ils ont perdu leur pièce d'identité. Bonjour, je voudrais une chambre. Elle m'a donné de l'argent pour 2 ou 3 nuits d'hôtel. Merci, bon séjour. Merci. J'aurais pris une chambre à l'hôtel. George Hyatt.
fois dans la chambre, j'allume la télé. Alors que le casier judiciaire de Jennifer est vierge, elle est soupçonnée d'avoir tué le gardien. Les images passent en boucle. En rentrant chez lui, le chauffeur de taxi saura tout. Il fera le rapprochement. Bébé, faut pas rester là. Faut qu'on y aille, qu'on se barre d'ici, là. Il est convaincu qu'il se passe quelque chose, qu'il faut repartir. Jennifer se lève du lit, mais elle s'effondre tout de suite. Je peux pas bouger. Non, je peux pas. Je lui dis de partir, que je peux plus le suivre, que je reste ici. Je sors, j'essaie de voir ce que je peux faire. Je réfléchis. Vers 20h30, je reçois un coup de fil du copain qui m'a envoyé à Columbus. Ouais, allô ? Il me demande si le type était noir, mince, et si elle était blanche de carrure moyenne. Je réponds oui, mais comment tu le sais ? Et il me dit d'appeler la police sur le champ. Quoi ? Tu viens d'emmener les fugitifs du Tennessee à Columbus, dans l'Ohio. Attends. À cause de sa relation avec Hayat, qu'elle a épousé en prison en mai dernier. Oh non, pas moi. Je te laisse. Faites que je ne sois pas impliqué dans tout ça. J'appelle la police, j'explique qui je suis et ce que je crois avoir fait. Il est peu après 20h. Je reçois un coup de téléphone. Une fois sur le parking de l'hôtel, je me gare et je surveille les abords dans ma voiture. Je sais que Jennifer et George sont sans doute en pleine paranoïa. Je m'inquiète du fait qu'ils pourraient aussi faire leur propre surveillance. Je me place hors site pour essayer de voir si quelqu'un les a repérés. Il y a quatre possibilités. Une prise d'otage, un homicide suivi d'un suicide, une fusillade entre nous et les Hayat, ou alors ils se rendent et suivent nos ordres à la lettre. Les chances sont minces. Une sur quatre que tout ça finisse sans encombre et qu'il n'y ait pas de blessés. Ça allait sans doute se terminer par une fusillade. Il me répète sans arrêt qu'on va s'enfuir, reprendre la route et plus s'arrêter. Mais au fond, il sait. Et moi aussi. Bien. Je ressens plus rien. Je suis engourdie. Et je sais que si j'ouvre les vannes, que je m'autorise à avoir des émotions, je vais m'effondrer. Regarde. Tu sais l'heure qu'il est ? Allô ? Jennifer ? Je comprends pas. J'ai pas donné mon nom. Ici Nikki Ralston. J'appartiens au service des Marshals. Prenez George avec vous, il est là, n'est-ce pas ? Sortez de la chambre avec George, tous les deux, les mains en l'air. Faites exactement ce que l'on vous ordonnera de faire. Ne raccrochez pas, posez juste le combiné. Je pensais pas qu'ils téléphoneraient et nous donneraient une chance. Je pensais qu'ils allaient fracasser la porte. À partir de là, on devait prendre une décision. Deux choses peuvent se produire. Soit ils se battent, soit ils s'enfuient.
Et ils ont prouvé qu'ils pouvaient se battre. Si ça doit être violent, c'est selon nos règles. Il vaut mieux que ça ait lieu à la porte ou dehors. On demande à Jennifer d'ouvrir la porte et de marcher en arrière dans la direction de notre voie. Elle sort. Retournez-vous. Suivez ma voie. Levez bien les mains. Tranquille. Doucement. J'ai ressenti... Je ne sais pas si c'est du soulagement, mais... Je ne redoutais plus ce qui allait se passer ensuite. Levez les mains en l'air, qu'on les voit bien. Je m'attendais à quelqu'un de terrible, de mauvais. Mais autant que je sache, ce n'est pas son cas. Les agents d'intervention ont leurs armes pointées vers l'intérieur de la chambre. Je suis certain alors qu'il est armé. Je me dis qu'il va nous charger ou qu'il est caché dans le plafond dès qu'il essaie de passer dans une autre chambre. On demande encore et encore à George de sortir. Il ne répond pas et on n'arrive pas à le voir. Reculez, en arrière, suivez ma voix. Il finit par suivre nos ordres. Pas de gestes brusques. Il a les mains en l'air, on lui ordonne d'écarter les jambes et de se retourner. Ça ne se passe absolument pas comme je l'avais prévu. Il est très coopératif, en fait. À la fin, je me sens soulagé. C'est terminé. Je suis sous la garde de Bolen. Je commence à me détendre. Même si je voulais plus que tout être libre et avec elle, il n'était pas question de risquer la vie de quelqu'un pour ça. Je pensais pas qu'on en viendrait à une fusillade. Et je sais qu'elle non plus. Alors, après ces coups de feu, tout a pris une dimension que ni l'un ni l'autre on avait prévu ou voulu. C'est mon plus grand regret. J'avais besoin de me retrouver, me recentrer sur moi-même. J'étais perdue depuis tellement longtemps. Quand j'y pense, j'ai toujours eu l'attention que je recherchais. Mais je le voyais pas. Je crois que j'ai enfin ouvert les yeux. Je m'en remets plus à un homme pour subvenir à mes besoins. Je me suis tournée vers ma famille. Quand je regarde mes enfants, je vois ce que je leur ai fait endurer. En essayant de faire le bonheur d'un homme. Je les ai ignorés. Encore aujourd'hui, ils m'aiment quand même. Malgré tout ce que je leur ai fait vivre.